Salut à tous, c'est Falcor sur Oddworld Soulstorm. Je vais vous montrer comment obtenir toutes les médailles platines sur le premier niveau, le raid de mon sac. Ça se résume en peu de choses, il faut trouver les zones secrètes, piller des coffres et ramasser toutes les gelées royales. Tout le début c'est pas compliqué, il y a juste à avancer. Alors le premier checkpoint. Et c'est arrivé au deuxième checkpoint que ça va devenir intéressant. Donc là j'ai plusieurs urnes à piller. Alors elles sont pleines d'eau. Et vraiment de l'eau, il y en a partout dans le niveau. Ah oui, il faut que je me mette dessus. Et on n'hésite pas à tout balancer sur les flammes, il y en a largement assez. Je ramasse la première gelée royale. Ah, je crois... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'avais pas fouillé celle-là. Donc là, je suis à 0-4-1, si on regarde bien l'ordre des médailles. 0 zone secrète, 4 coffres pillés, maintenant 5, et une gelée royale. Alors ce que je vais faire, je vais descendre, pour aller chercher la gelée qui est en bas. Alors faut faire très attention, vous voyez, il y a des boules qui tombent. Après là, je fais pas le niveau sans mourir, ça sert... pas grand chose de se casser la tête avec ça. Quand je ferai tout sans mourir, voilà, je m'occuperai pas de tout ramasser. J'avancerai comme un malade. Ah, ça c'est pas bien. la urne à gauche, oui, je l'avais ramassée normalement. Là, ce qui va m'intéresser, c'est la gelée royale qui est là. Donc là, ce checkpoint, je suis rendu à 0.6.3, je crois. Ou 0.6.2. Ouais, 0.6.3, c'est bien ça. Là en bas il y a une urne. Alors juste par sécurité et vu qu'il y a vraiment de la flotte partout, je nettoie un peu. C'est juste au cas où je tomberai. Ça peut arriver. Mais là, ce n'est pas arrivé. Alors ici il n'y a rien d'intéressant. On a encore une urne en bas. Les urnes, il y en a 10 fois trop. Mais voilà, je ramasse quand même les 20 premières, comme ça, on est libéré. Alors là c'est la partie que j'aime pas trop parce qu'on se fait canarder en permanence. Alors ça là, c'est pas considéré comme une zone secrète. Très étonnamment. Ouais c'est bon, j'étais plus sûr, mais c'est bon. Ah, c'est la flamme qui est en haut qui est un petit peu chiante. Puis la visée, j'ai un petit peu de mal avec la visée de ce jeu. Donc 0.10.4. Les zones secrètes, elles arrivent assez tard finalement. Je vais me mettre ici et je vais attendre. Parce que vous voyez, en bas, il y a une gelée royale. Éteindre un petit peu les flammes. Voilà, faut que je tourne mon personnage.
pour atteindre de l'autre côté. Donc je pousse le joystick vers le bas pour relâcher. Si jamais vous me posez la question. Oh là là, oh là là. C'est bon. Donc 0,15. Oula, mince. Ah, 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 ah. Je suis allé un petit peu vite. Petite gelée, et là, ça c'est considéré comme une zone secrète. Vous avez vu, 1-11-6. Bon, on va la jouer à la Crash Bandicoot. You must use the fire aid. Use it. On se met sur la bière. Après, ça vous connaissez normalement. Ah, je voulais commencer à éteindre le feu, mais j'ai l'impression que c'est pas trop faisable. Faut attendre un peu que ça agisse. Là, je m'occupe pas de viser, hein. Ah, j'aurais peut-être dû fouiller les urnes. Ouais. Un 15-7, un 15-6, pardon. Mais bon, il y en a assez des urnes, hein, comme je vous disais. Fort heureusement. Donc là, faut encore attendre. Attendre que le mur en face s'effondre. Oh ! Fais pas d'effort, hein. J'utilise la poulie pour monter. Ah, il y a des feux d'artifice. Et nous y voilà. Chercher la petite gelée. C'est une zone secrète, pardon. Et nous arrivons à 2-17-7. Il reste plus que 3 gelées. Alors ici. Non, c'est pas ici, je confonds avec un autre endroit. C'est un peu plus loin. Il y a un endroit qui ressemble un petit peu avec une gelée. Je sais. Oui, c'est d'abord par là. Ah, des fois, faut connaître par cœur, évidemment. Et nous sommes à 3-19-9. On sent vraiment qu'on arrive au bout. En bas, il n'y a rien du tout. Ah ah ah! Éteins le feu! Alors parfois, les flammes sont très violentes. Et parfois, non. Je sais pas trop quelle est la logique du truc. Allez, saute, je suis pas trop à l'aise là-dessus.
C'est-à-dire que c'est pas ma spécialité. On a une petite gelée ici en bas. Alors j'ai plus beaucoup de vie. Bah, des fois les Sleeks, je sais pas, ils enchaînent trop de tirs parfaits à la suite. Et on crève sans même s'en rendre compte quoi. Alors voilà, ça c'est l'endroit que je cherchais tout à l'heure. Et que j'ai confondu avec un autre. Voilà. Donc j'ai toutes les gelées. Sauf erreur de ma part, il reste un endroit secret à trouver. Et il y aura des... Ah! Des caisses à piller. Et des urnes. Oh là là. Ils font super mal. C'est bon. Alors c'est ici que se trouve la dernière zone. Et à gauche là. Ah, misère. Et voilà. Donc là j'ai tout, mais je vais quand même aller au bout du niveau. Oula. Ah, oups. Gaspillage. Bon, je suis pas non plus un as pour utiliser les projectiles. Je vous l'avoue. Oula, oula, on se calme. On fonce. Alors, on saute bien au dernier moment. Et nous y voilà. Nous avons donc survécu, bien évidemment. Bon, 16 minutes 40, je suis mort 2-3 fois, mais ce sera coupé. Et j'ai bien mes 3 médailles de platine. C'était Falcor, merci à vous, des bisous.